Selon l'INSEE, 25% des entreprises disparaissent au bout de 3 ans d'activité. La réalisation d'un business plan est utile pour anticiper les difficultés et passer ce cap des premières années. Alors, vers qui se tourner pour rédiger ce dossier et comment s'y préparer? Je suis Dorine, responsable du marché des professionnels chez Société Générale. Je vais répondre aux questions que vous vous posez le plus souvent sur la construction d'un business plan. Un business plan, à quoi ça sert au juste? Le business plan, c'est la feuille de route de votre entreprise. Il décrit votre projet dans sa globalité. Il rassemble des études de marché, la description de votre offre, votre positionnement et un prévisionnel financier. C'est un dossier indispensable pour prouver à vos partenaires financiers que votre projet est viable, pour trouver un financement et pour développer votre projet. Le business plan permet de structurer votre projet et de lui donner un horizon financier de 3 à 5 ans, ce qui est rassurant pour vous comme pour vos investisseurs. Un business plan et un business model, c'est pareil? Le business model, ou modèle économique en français, n'est qu'une partie du business plan. Il explique comment votre entreprise va gagner de l'argent. À quel prix allez-vous vendre votre produit ou votre service? En quoi votre offre répond à un besoin client? En quoi se démarque-t-elle des concurrents? Pour vous aider à faire le tour de ces questions, et il y en a beaucoup, je vous conseille d'utiliser un canevas de business model. Celui qui est disponible sur notre site dédié aux professionnels à la rubrique créateurs d'entreprise est gratuit. C'est un outil qui va vous faciliter la vie. Et si vous rencontrez une difficulté, nos conseillers pros peuvent vous aiguiller. J'ai déjà mon financement. Je suis obligée de faire un business plan? Vous pouvez vous en passer si votre projet est simple, que vous pouvez démontrer sa rentabilité facilement et que vous avez déjà le financement. Un business plan n'a rien d'obligatoire pour démarrer une activité. Son existence ne garantit pas sa réussite. Je vous le recommande si vous avez besoin de mettre à plat toutes vos idées, de poser des hypothèses de rentabilité et de convaincre d'autres partenaires financiers. Vous pourrez ainsi vérifier que votre projet tient la route sur plusieurs années et mieux piloter votre affaire. Qui peut m'aider à rédiger mon business plan? De nombreuses structures sont présentes sur tout le territoire pour vous accompagner gratuitement. Selon votre secteur d'activité, tournez-vous vers la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers et de l'artisanat ou encore la Chambre d'agriculture. Pensez aussi aux réseaux d'accompagnement comme Initiative France, Réseau Entreprendre, BGE ou BPI France. Ils vous présenteront des professionnels qui peuvent vous assister dans le montage et la rédaction de votre business plan. Vous pouvez aussi bien sûr faire appel à un expert comptable. Pour bien préparer mon business plan, je commence par où? Construire un business plan nécessite 2 à 6 mois. Autant l'avoir en tête. La première étape, c'est de réaliser une étude de marché. Il s'agit d'identifier les clients potentiels et les concurrents, puis de s'assurer auprès de votre clientèle que votre idée de produit ou de service répond à ses attentes. Ensuite, il faut définir votre stratégie commerciale et vos objectifs de chiffre d'affaires. Vous retrouverez les liens des organismes qui peuvent vous aider dans la description de cette vidéo. Où trouver les bonnes infos pour mon étude de marché? Les sources d'informations fiables sont nombreuses. Ce qui peut être complexe au départ, c'est de s'y retrouver et d'adopter une méthodologie efficace. Pensez, par exemple, à consulter les tendances économiques et sectorielles. Le bon réflexe est de croiser vos données avec celles des professionnels reconnus sur le marché afin de vous assurer d'avoir la bonne information. Alors, pour mettre toutes les chances de votre côté, contactez les réseaux d'accompagnement des chambres de commerce et de l'industrie, des métiers et de l'artisanat ou encore de BPI France. Ils mettent à votre disposition des experts pour construire votre étude de marché de A à Z. Votre conseiller pro Société Générale peut également disposer de données liées à votre territoire. Pensez-y. Comment savoir si mon business plan tient la route? Monter un business plan, c'est beaucoup de travail. Pour le faire valider par des pros, pensez qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour vous lire. Soyez donc synthétique. Vous ne présenterez que l'essentiel de vos recherches. Le reste de vos études sera placé en annexe. Entraînez-vous aussi à résumer votre idée en une minute pour convaincre à l'oral. Et testez-la sur vos proches, c'est très formateur. Pensez enfin à venir nous voir avec votre projet. Chez Société Générale, nos conseillers pros étudient avec vous la solvabilité et la viabilité de votre business plan, et ce, gratuitement. Comment faire pour préparer mon dossier financier? La première étape de ce dossier, c'est votre plan de financement initial. Il sert à vérifier que vous disposez des fonds nécessaires au démarrage de votre activité. On retrouve dans ce document les besoins d'investissement,
les besoins de trésorerie et le besoin en fonds de roulement, ainsi que vos fonds propres et les fonds que vous comptez emprunter. Ensuite, vous devrez établir votre compte prévisionnel de résultats et votre plan de financement à 3 ans. Je vous conseille de faire appel à un réseau d'accompagnement ou à un expert comptable pour bâtir un prévisionnel réaliste, ce qui facilitera votre demande de financement. Mon business plan est prêt. Que dois-je faire? Déjà, bravo, c'est un gros travail. Vous voilà donc prêt pour faire une demande de prêt bancaire. Mon conseil, c'est d'aller tester votre business plan auprès des réseaux d'accompagnement comme Initiative France, qui peut vous accorder un prêt d'honneur initiative à taux zéro. Avoir un regard positif de ces professionnels est bien vu par les banques, car gage de sérieux de votre démarche et pourra faciliter l'obtention d'un prêt bancaire. Société Générale est partenaire de ces réseaux depuis de nombreuses années. Nous arrivons à la fin de ce 5 des experts. J'espère vous avoir éclairé sur la construction d'un business plan. Vous trouverez des compléments d'information dans la description ci-dessous. Je vous invite aussi à consulter notre site dédié aux professionnels pour retrouver tous nos conseils pour construire votre projet. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour retrouver tous nos sujets.